Petite dégustation de caca avancée avec du caca. Parce qu'on n'a pas d'amis, on fait ça dans la vie. Donc, à raclette, tranchette en fromage, la base. Je sais pas si on avait déjà d'ouvert. Non, l'équipe a droit à l'odeur. On verra les avant. J'ai pas envie de manger ça. L'odeur a piqué le nez. Ça prend du bacon. Ça brûle le feu. Bacon sur son lit de fromage sec. Accompagné de son fromage bien qui pue. Ça colle carrément. Accompagné de sa tranche de jambon cru. Jambon sec, je sais pas. Saupoudrer d'un peu de fromage. Et voilà, la première. Merde, ça va dépasser. La deuxième, ça sera semblable, sauf que il y aura la même chose, dans le sens inverse. On commence par ça. Puis du fromage. Puis du bacon. Puis du fromage. Et voilà la deuxième. Pour la troisième, ce sera différent parce qu'il y aura de la rosette accompagnée de fromage. De jambon cru, parce qu'il n'y en a pas assez. Ça va vraiment dépasser de fou. Et héros du fromage. Maintenant, je vais préparer l'assiette qui sera composée de ce jambon. Attends, je vais pas les prendre. Du jambon super dur. Putain, mais oui, j'ai bien aimé le truc. Une tranche. Avec, je sais pas quoi par-dessus, bah non, faut attendre. Voilà, donc maintenant après un peu d'attente, fromage un peu grillé, bien fondu. La première couche sur la partie de droite, car après je vais tout empiler. Partie de droite, voilà. Maintenant, on recouvre le jambon. Après, on va faire pareil avec une deuxième tranche. Mais donc de l'autre côté. Bien collant le fromage toujours. Thank you.
maintenant, le dernier film de jambon. Qu'on met par-dessus tout et on attend que ça cuise. C'est fini. Hop là. Et comme on n'a pas encore assez de jambon, on recouvre ça de jambon sans poulet. Et c'est fini. Maintenant, je vais manger. Et voilà mes petits loups. C'est terminé. C'était les recettes de Didier. Je pose mon classicos, les copinous. J'ai fini de poser mon classique et tant que j'y suis, je vais aller me doucher parce que waouh, l'odeur! Non, en vrai, je vais juste aller me doucher l'équipage. De retour dans le salon, enfin dans la cuisine, il n'y a pas de prise dans la salle de bain en fait. Du coup, voilà. Comme ça qu'on... Voilà, bon, un peu gaze parce que vas-y, je suis en tous, mais tranquille. Bon, c'est parti pour le room tour. D'abord, je vais vous mettre dans un contexte. Donc, imaginons que vous êtes dans une chambre, normale, tranquille. Sauf que dans cette chambre, elle est un peu spéciale. Attendez, vous allez comprendre vite pourquoi. Donc là, j'arrive dans ma chambre. Oh bah, l'interrupteur, il n'y a pas de lumière accrochée. Trop chiant, dommage. Eh ben non, parce qu'en fait, c'est ça ma lumière. Voilà. Et ça change pas grand chose, hein. Voilà, donc la qualité va être dégueulasse. Faut que je prenne cette lumière-là. Voilà. Et c'est un peu mieux. Ah bah non, ça change rien. Donc, voilà. C'est ça, ma vie. Donc, voilà. Ça, c'est ma chambre. Donc là, c'est mon coin PC, un peu miteux d'ailleurs même. Guetter la chaise. Donc voilà. Donc là, c'est aussi le coin où je dors, parce que... voilà. Là, c'est... je peux pas savoir en vrai. Le piano. D'ailleurs, c'est ce pied-là en fait, le piano, normalement. Voilà. Un coin décoration, parce que... il est pas gonflé, regardez. Et des cartons. Voilà, c'est tout. Après, j'ai rien d'autre. Voilà. Surprendre à aller me coucher l'équipage, parce que, vas-y, la fatigue, tu connais. Mais comme dit le proverbe, jamais se coucher le ventre plein. Car c'est pas le hérisson qui tourne le plus vite dans un rond-point. Et que la vitesse de la pierre, elle ne roule pas, elle s'amasse. Un truc comme ça, je crois, ils avaient dit. Déjà, l'équipage, jamais s'endormir sans avoir fait son nombre de pompes. Voilà, l'équipage, c'est fait. Maintenant, à demain. Là, ça va dormir. Sous ses sourires rappelés.
va déjeuner, c'est parti. C'était bon. Chef Pisto, aujourd'hui, que mangeons-nous? Très bien, très bonne question ça. Je sais pas. Du pain d'épices au miel. Du paquito, c'est simple, c'est espagnol, c'est moi. Nectar, orange, abricot, pêche. C'est pas nectar dedans. C'est pas un fruit, le nectar. Je crois. Vous êtes plus caca ou mambert? Répondez dans le chat. Caca ou tropico? Parce que ça se joue un peu. Voilà l'équipage. Maintenant je vais faire un gros caca et on se revoit après. Direct du chantier, ça dit quoi l'équipe? Là je suis en train de ravager mes chiottes. Finalement, la vie c'est qu'une question de chiffres. Est-ce que tu veux savoir comment mon cousin Pierrot il a fait 3 millions avec seulement 2 euros investis? Moi je vais t'expliquer si tu veux. Vas-y, explique-moi comment il a fait 3 millions avec seulement 2 euros. C'est simple, pour débuter il a acheté 2 euros de patates, c'est-à-dire 5 pommes de terre. C'est comme ça qu'il a commencé à faire des frites. Les frites il les a vendues sur le bord de la route. Ça lui a apporté un petit pactole, 100 euros, parce qu'il faisait aussi des pommes de la terre, donc il mélangeait les deux, bam, 100 euros de budget. Il rachetait quoi? Il rachetait des patates, il recommençait, bam, 1000 euros. 1000 euros, il a fait quoi? Il a tout dépensé dans les p***. Après, il a fait quoi? Je sais pas trop parce que il vit à la rue, mais je pense que si on veut, on peut. Voilà, mais du coup, il a pas réussi son projet, comment ça se fait? Il a pas encore réussi, mais ça se trouve, un jour, il y arrivera. Espérons-le en croisant les doigts, c'est comme ça qu'on peut que survivre dans la vie. Coucou les copinous, aujourd'hui on fait à manger, c'est parti. Donc, qu'allons-nous manger? Il y a déjà tout de prêt. Wally wallou. Donc, petite découverte du jour, ça sera surprise. Hop là, des petits pilons de poulet déjà cuit avec des pommes de terre au fond. Il faut juste que je réchauffe ça à la poêle. Dans la vie, on n'a jamais assez de beurre finalement. Et c'est que quand on en a pas assez qu'on s'en rend compte. Alors que quand on en a assez, on s'en rend pas compte qu'on en a assez du beurre. Voilà, maintenant c'est beurré.
Voili voilou. Voilà mon assiette. Et moi, vu que je suis pas raciste, guettez ce que j'ai. De la sauce algérienne. Et oui, parce que moi, j'aime toutes les ethnies et toutes les origines. Finalement, je les aime pas tant que ça, c'est galère à ouvrir. Donc voilà, après tout ça, je vais devoir faire la vaisselle et prendre un petit yaourt au sucre de canne. Voilà, donc maintenant, je vais manger et puis après, je vais faire la vaisselle. A tout de suite, l'équipage. Non, mais t'es con, Xavier, putain. Putain, le mec est con.